Salut tout le monde, c'est Mushroom, aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour un petit mini-jeu en compagnie d'Oxylac, le Splague. Eh bien salut les amis, c'est Oxy, ouais le Splague, ça reprend un petit peu l'idée du TNT Run. Alors le Splague, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, vous jouez un peu au fermier, puisque vous avez une pelle avec qui lance des œufs, et le but de ces œufs c'est justement de casser les blocs de map pour faire tomber vos adversaires dans le néant. Et donc du coup, ben, ça va être assez fun, puisqu'il va falloir survivre. On a la pelle, et faut éviter de tomber. Ouais, faut éviter de tomber, c'est chaud. Moi c'est bon, je tiens, faut tenir, non. Oh là là, on est déjà à la dernière couche. Donc là, contrairement au TNT Run, vous avez qu'en fait, on va dire, deux couches au total. Et ça tombe assez vite, puisque contrairement à la course... Ok, non, je suis tout seul encore en haut. Ah ouais? T'as tenu en haut? Ouais. Oh merde. Oh fuck. Il y a des enculés qui m'ont tiré dessus du coup. On va faire tomber le mush. Recule pas comme ça, mush. Oh. Oui. J'en ai fait tomber un. Oh non, je suis tombé tout en bas. Non. Allez. Je suis encore in the way. Je suis encore dans la course. Alors, the piggy's, the piggy's hair. Ouais, je peux quand même regarder la partie. Oui, tu peux quand même la regarder. Alors attention, fais surtout pas clic droit parce que ça va t'aller dans le, ça va t'emmener dans le lobby, ouais, pardon. Je sais. Et du coup, je t'observe. Aïe. La technique du Splague est en moi. Notre mush, elle est complètement fou. Il court, il saute par-dessus les trous, c'est un truc de fou. Oui, il a fait tomber le bonhomme avec le coup. Oh, j'ai failli tomber tout seul. C'est vraiment un truc de malade. Regardez le mush avec ses grands yeux ébahis. Et puis sa grosse... Non. Ah, il a fait tomber le bonhomme avec le t-shirt vert. Décidément, les hommes verts, ils prennent cher avec le mush. Bah oui, évidemment. Hein. Je suis un jardinier, j'aime pas les plantes vertes. Enfin, si j'aime les plantes vertes, j'aime pas les mauvaises herbes. Alors, et le Mexicain, que va-t-il lui arriver? Va-t-il tomber par la pelle de mush? Ou par ses œufs? Par ses œufs, plutôt. Je suis une poule. Pat, 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 pat. Je vais me faire tomber tout seul, attention, moi. Ouais, tu vas te faire tomber tout seul, là. Ouais, là, c'est chaud. Vous êtes plus que 3, 4. Vous 4, êtes 4, 4. Je compte gagner 5. Ce Splague. Vous êtes 5. Alors, je pense vous qu'on va 5. Faire 3 parties de Splague, hein. Oui, il y a un Mexicain au moins. Yeah. Vous êtes 5 parce qu'il y en a un qui est encore à l'étage au-dessus. Ah ouais? Ouais. Oh putain, j'ai failli me faire tomber. Attention, mush, attention, c'est compliqué. Oh, il est tombé. Il est où, c'est... le dernier? Le dernier, il est j'ai là-bas. Vu, il est en haut, ouais. Il y en a un qui est toujours en haut aussi, qui est juste en train de sauter pour pas tomber. Est-ce que tu vas réussir à le faire tomber, l'autre? L'espèce de roi, là. Attention, va pas tomber, mec, va pas tomber. Non, t'inquiète. Oh, me fait tirer dessus, par-dessus, au-dessus. C'est un gangbang. Vas-y, tire-lui dessus, l'autre. Tire-lui dessus. C'est bon, il court. Il reste plus que les bords blancs. Et il est tombé, il a failli tomber tout en bas, il a réussi à se rattraper. Vous n'êtes plus que deux, d'ailleurs. T'as réussi à le faire tomber, le roi est tombé. Allez, il va gagner. Je peux le faire, je le veux, cette victoire, je la veux. Pour mes abonnés. Oui. Il t'a gagné. Il est tombé. Voilà. Ah, plus 25 tokens. C'est cool. En tout cas, tu vois, t'es plus fort côté Enteron. Hein. Ah, effectivement, même plus fort que le Boss Splish, parce que le Boss Splish, c'est un petit mini-jeu qui m'a pas trop réussi. Ah bah du coup, regarde le restarting du SP38. Allez, le SP38, on va essayer de le rejoindre. Bah c'était le nôtre. C'est un petit droit et voilà. Ok, j'y suis, nickel, parfait, on se retrouve dans le lobby. Donc alors sur cette map, contrairement au TNT Run du serveur de Hypixel, parce que là on se retrouve sur le serveur du hivemc.eu, donc ça c'était l'adresse IP du serveur, vous avez plusieurs maps, donc d'ailleurs le spawn est d'ailleurs très joli je trouve, hein. Ils l'ont un peu aménagé. Il y a plusieurs maps de Splague, donc SPLEGG, le mode de jeu. Et elles sont, ma foi, très jolies, parce qu'il y a plein de styles de couleurs ou autres. Donc voilà, c'est un jeu qui est assez sympa, parce qu'il y a une grande diversité des maps. J'espère qu'ils feront pareil pour... Enfin, davantage pour le TNT Run. Même s'il y a déjà de très belles maps. J'ai rajouté un peu d'anti-aliasing avec Optifine, et le ciel et tout ça, tout est vachement beau, je trouve. Moi, j'ai un PC en carton, donc en fait, j'ai à peine le ciel qui est bleu, lol. Je suis pressé, je change dans 2-3 semaines, les gars. Ah, l'attente du nouveau PC pour se dire, on peut peut-être utiliser les chaleurs.
Parce qu'effectivement, Minecraft avec Shader, c'est un peu comme tourner un Battlefield 4 en ultra, hein, effectivement. C'est un jeu qui est extrêmement bien optimisé. C'est ça. Alors, bon. Oh, la map a changé. Ouais. Ok, donc moi je vais me mettre dans un coin là-bas. Je suis prêt à soi. Moi je suis tout seul dans mon coin. Ah non. Oh mon dieu, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Ah non. Garen qui est tombé. Non. Vous tomberez tous. Ah, oui. Oh non, laisse-moi tranquille. Tu vas tomber. Non. Oh mon dieu. Moi je m'en fous, je reste en haut et puis je vais faire un mode caché. Tel un médicament. Non, mais non, vous faites mieux, c'est monter avec toi, on les aurait snipés. Non. Shut down. Ouah. Les gens, ils arrivent à sauter super haut, c'est quoi ce bordel? Ah là-bas, il y a un petit qui me tire dessus. Non. Oh, boum. J'ai failli tomber tout en bas. Oh, j'ai failli tomber. Ils t'ont fait descendre ou pas? Ouais, je suis en bas. On se tire pas dessus comme ça, on fait une alliance. Peut-être qu'on arrivera. Là, il y a un petit. Oh, tu vas tomber, espèce de petite bitch. Viens ici que je te. Oh, le mec, il s'est suicidé. Oh my god, attends, regarde. Attention. Bah oui, forcément. Oui. Non, j'en ai tué un. Et je suis mort juste après. Respawner. Alors, t'as encore dans la course, Oxy? Ouais, je suis encore là. On me fera pas tomber comme ça. Le mec ça. Comme un Terminator, il est là. Enfin, j'arrive pas à faire le bruit, mais. Je vois ça. On va faire le cochon. On est plus que deux, non? Oui, vous êtes plus que deux. Je suis en finale. Le finale. Tire. Ah ouais, non, j'allais me dire, vas-y, tire là où je suis, mais effectivement, tu me vois pas. Cours, déplace-toi. Si tu s'approches de toi, genre, tu cours, t'as dû tirer. Sinon, t'es mobile en fait. Oh, il est tombé. Oh oui, j'ai gagné, on est trop fort, mec. Oh, bien joué. 55 tokens. Ah non, j'ai 55 tokens au total. Oui, t'as gagné 25 tokens en plus cette partie. Bim. Oh yeah. Bon, allez, on va se refaire une dernière partie pour ce petit mini-jeu de Splague. Cette fois, on va tous les deux en finale. Le 38 à nouveau. Ouais, je suis dedans. T'es dedans? Ouais. Cette fois, on va tous les deux en finale. Ouais, bon, allez, on se fait une petite ellipse, je pense. Pour attendre la partie, parce qu'il y a quand même 290 secondes à attendre. 290 secondes? Non, 60 maintenant. 60. Oh, on va attendre. On va planter des carottes, motherfucker, pour notre petit piggy. Ouais. On va élever un piggy. Ouais. Et on va se refaire un mini Harlem Shake, comme dans notre zone 52. Harlem Shake. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé cette petite intro. Si vous l'avez pas encore vu, on vous invite à aller voir évidemment la vidéo des deux points de vue pour voir les deux différentes intros. Évidemment tout l'épisode qui va avec si possible, mais bon, du moins l'intro, parce que d'ailleurs Oxy et moi on a peut-être pensé à se lancer dans une sorte de série scénarisée. Voilà, de série scénarisée avec des fois des petits épisodes comme ça qui pourraient durer, on va dire, 30 secondes, minutes, des épisodes toujours dans l'esprit comique, hein, dans l'esprit de nos chaînes YouTube évidemment, en espérant que ça vous plaira. Et donc c'est vrai que c'est des projets qui consomment énormément, puisque vous, en fait, l'épisode Zone 52 prend moins de temps à être réalisé que l'intro elle-même, pour vous imaginer un peu le délire. Bah, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Un ordre de temps, ouais. Le dernier épisode de Zone 52, il nous a fallu 40 minutes pour tourner la vidéo en elle-même, mais l'intro, il nous a fallu 2h30. Ouais, 2h le temps d'imaginer le scénario et de réaliser, et puis après surtout, on compte pas le montage qui va avec. Tombe de là, Oxy! Tombe! Tombé tout en bas. Non, j'ai pas tombé tout en bas, j'ai failli. J'étais sur le bord du bloc, quoi. Oh mon dieu, quoi. Mais attends, là je vais creuser dans le truc là. Oh, là-bas y'a un Mexicain qui est immobile. Mexicano. Oh, y'a des TNT. Tombe. Oh non, je suis tombé. Et ton nom? Oh oui. Oh. Allez. J'ai survécu, mais à rien. Il y a un mec qui est passé derrière moi, un mec tout nu. Link qui est en train de camper au deuxième étage. Au deuxième? Ok, attends, ouais. Je vais le dénicher. Juste au-dessus de ta tête, en fait.
Attends, il y en a un là juste à ma droite. Ah. Et tu vas là-bas. Tu vas là-bas. Non, je l'ai pas eu. Attends, il est où Link? Il est là au-dessus, c'est ça? Ouais. Ah bah, il y en a même un autre, il y a un mec en culotte. Ah, Link est tombé. Il reste plus le mec en culotte. Ah, mais il y a même Baby Yoda. Alors lequel va tomber? Oh putain de merde! Je croyais que ça me tirait dessus. Ah, il y en a un autre qui est tombé. Il y en a un autre. Ah bah, ouais, genre, il y en a un autre qui est tombé aussi. Attends. Il reste plus que Deadmo et le mec en culotte en haut. Je vois ça. Ils sont en train de camper. Ils sont en train de. Wow, my god! Il me tire dessus. Ouais. Il y a eu une petite éruption. Non! Oh non, mèche! Non! Ah, mais en fait, il y avait un mec derrière toi aussi, j'avais pas vu. Ouais, il y en avait un au sous-sol, mais en fait, les deux en haut, je crois qu'ils sont ensemble. Tu vois, parce qu'ils se tirent pas dessus. Ah ouais, ils se tirent pas dessus. Skrillex Junior et Messi Junior. Ah, oh, effectivement, je pense bien qu'ils sont ensemble. Je pense aussi, ils ont le nom. On aurait dû faire pareil, tu vois. Ouais. On aurait dû essayer de tenir. Mais moi, je suis tombé et franchement, j'ai failli mais mourir dès le début. Mais on est tombé tous les deux en même temps et en face, tous les deux sur le bord du cube avant. Ouais, non, mais. Oh, ça serait tellement bête, enfin voilà. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter pour cette vidéo. On va pas regarder la finale non plus parce que bon. Voilà, on s'en fout. Donc j'espère écouter que ce petit mini-jeu, ce nouveau mini-jeu que je vous ai présenté sur ma chaîne YouTube en compagnie d'Auxiliac, donc le Splague, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. D'ici là tout le monde, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Auxiliac.